Des pieds de porc. Clac, 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 clac. Merveilleux quand vous avez des invités. Waouh! Bonjour, mon nom est Montani Gilbert, un passionné de la cuisine. Hello to everybody. Aujourd'hui, on va faire des pieds de porc. Schweinsfüßli. Pig legs. Clac, 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 la, 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 la. Des pieds de porc. Quatre pieds de porc de devant. Vier Schweinsfüßli halbiert, das macht acht halbe Stückli. Four big foods. And the front part. Hein? Alors, pour ça, on a besoin d'une petite mirepoix, concentré de tomate, un peu de chili, du sel, du poivre, du vin rouge et des bolets. On va faire ça avec une petite sauce au bolet. Alors, pour commencer, on va assaisonner tout ça. Alors, il me faut un peu de farine. Voilà. Ça suffit. Un peu de sel. Du poivre. Et du paprika. Voilà, hein? Ah, ça va plus mieux. Et voilà. Maintenant, on remue bien ça. Et hop, on va à la poêle. Un peu d'huile dans la poêle. Wenn wir sie braten, auf der Hautseite. Hein? Oui. Vous avez le paprika avec la farine. Ça va donner une belle couleur. Es gibt eine ganz schöne Farbe. Und die Farbe ist wichtig, dass die Soße super schön dunkel ist. On peut sortir sans bien griller. Et le dîner sans cuisine. Là, je me rappelle mille fois morte. Je me dis. Et, on fait un knoblauch. Vous me gâtez trop. Habis, un peu de chou blanc, un peu de poireau, ça sera pour le goût. Voilà, on a étanché. Bon, d'abord, on a fait concentrer tomatine.
ce qu'on a fait d'un coup. On t'a remis chez lui. Chez lui, on était calme. Das ist eine schöne Farbe in der Soße. Wunderbar. Voilà, das sind nur das im Koffer drin und das Gemüse. On met 1 litre de vin rouge. Il faut prendre 1 litre qui a un vin qui a au moins 14 degrés. Hein? Un peu 40 degrés, déjà, je suis un peu plus. Sorry, wunderbar. Jetzt Rest tun wir nachher mit dem Bouillon. Kann ich Gemüsebouillon drauf tun, bis es zu ist. Oder wenn ihr kein Gemüsebouillon habt oder Rindsbouillon, dann tut ihr einfach Wasser und mit den Würfeln Bouillon. Also. 1 Liter Wein, 1 Liter Vin Rouge. Et du Bouillon. Jusqu'à ce que c'est recouvert. Voilà. Wunderbar. Maintenant, on donne une ébullition. Et une fois que ça cuit, le couvercle est au four à 150 degrés. Voilà, pendant ce temps, j'ai pris 100 g de volets séchés, 100 g de trockene Streifels. Volets tous. Et une équelle. Et puis on met de l'eau dessus. L'eau froide, et voilà, et puis on laisse tirer, hein? Vous pouvez laisser tirer pendant une demi-heure à une heure, also une gute halbe Stunde bis eine Stunde könnt ihr das noch ziehen. Voilà, jetzt kocht es langsam, blub blub blub, dann tue ich den Deckel drauf. Feuer abstellen und im Ofen. Et au four. Maintenant, on oublie ça jusqu'à ce que la viande est cuite. J'ai mis une température de 150 pour pas que le pied de porc se déforme et prenne toutes les formes. Alors, si j'aurais mis une température plus haute, ce sera plus vite cuit, mais les pieds vont se déformer. Alors, c'est comme ça, gentiment, ça va cuire pendant quelques heures. En tout cas, 2 heures. À tout à l'heure. Et voilà. Nach zwei Stunden einkochen im Ofen, si, unsere Schweinsfüße weich. Jawohl, schön. Alors, après 2 heures de cuisson dans le four à 150 degrés, l'eau. Pieds de porc sont tendres. Alors on va les sortir. Voilà. Vous voyez, et puis on va enlever les gros os. C'est-à-dire celui-là, celui-là, juste une petite pression et hop, on sort les gros. Knöchel tun wir jetzt rausnehmen. Und dann da. Seht ihr. Voilà. Und jetzt die Fingernägel, die lasse ich drin. Und nur hier hat es kein Knöchel mehr. Alors, juste les ongles, je laisse. Et puis ici, il n'y a plus de... C'est que la gélatine du porc avec la viande.
Alors ça, je garde de côté et je laisse juste les ongles. Hein. Vous savez, la graisse, le corps humain a besoin deux fois par semaine un peu de graisse pour les articulations. Alors, c'est le Körper braucht, er liefet zweimal pro Woche. Das ist wie ein Auto, ich brauche dann ein bisschen Öl im Auto tun. Sonst der ganze Motor wird kein Öl mehr, geht kaputt. Und das ist die gleiche mit der menschlichen Artikulation. Wir müssen Gottes Namen ein bisschen flat zweimal pro Woche haben. Und am besten schon noch Schweinsbrust zum Beispiel. Der Speck ist fantastisch. Also, you look, we take out the bones. Just the bones of the big tail, huh? And we let here just these bones we can take. Voila. And we let just the bones here from the nails, small one. Voila. And after we will reduce the sauce. Alors après, on va passer tous les légumes et on va réduire la sauce gentiment. Et voilà. Et voilà, on a sorti tous les os. Les pieds pauvres, hatte ich noch ein bisschen im Schweinsbürstchen aussen die Nägel haben wir rausgenommen und so sieht es aus. Et voilà, le résultat. Hein? Maintenant, on va passer la sauce. Parce qu'on va la réduire. Hein? Alors on va sortir tout ça, tous les légumes. Et voilà, hein? Comme ça, on n'aura que le jus. So haben wir nachher nur den ganzen Saft, ohne kleine Sachen. Das tun wir nachher zurück. Und jetzt tun wir das einkacheln mit den Staples. Maintenant, on va mettre les bolets à l'intérieur. Fais attention de ne pas remuer, parce que peut-être il y a un tout petit peu de sable dessous, dans le jus. Also, tun wir jetzt ganz fein die Steipilze noch innen wenig. Das geht nachher gut, der Goût. Das sera fantastique, le petit goût des bolets qui sera après dans la sauce qui est réduite. Et puis ça, on va réduire la moitié. Alors, 50%. Also, 50% tun wir das einköcheln. Das geht nachher ganz gut, der Goût. Und jetzt, was ist wichtig, ist der Saft von den Steipilzen. C'est important, c'est mettre le jus des bolets à l'intérieur de l'eau. Mais on va doucement, parce que tout au fond, il y aura peut-être un peu de sable, hein? Ou des impuretés. Also, ganz langsam mit das. Inne. Und so. Und dann noch ein paar Bolets, die untergegangen sind. Et voilà! Das tun wir jetzt voll einköcheln lassen, bis eine gute Hälfte, 50% dabei ist. A tout à l'heure! Voilà, maintenant on a mariné, vraiment réduire la sauce. Regardez cette sauce. Elle est brune, elle est foncée, elle est fantastique avec des bolets. Regardez-moi ça. Et après, je peux finir ça avec du beurre manié, c'est-à-dire un petit beurre fondu. Une cuillère de farine, on mélange tout ça, l'œuf et le mal, on a le butter, on a le beurre manié. Wunderbar. Und das schön gemischt ist, können wir das mit der Soße her tun und das wird dann die große Soße verbinden. Ça va louer la sauce, et regardez comme la sauce devient vite maintenant. Ah, elle devient épaisse. Regardez-moi ça. Avec ce beurre manié, regardez-moi cette sauce. Merveilleux.
Alors ça, vous voyez, ça a été réduit pendant 3/4. Depuis ici jusqu'ici. Toute la force tranquille maintenant de la sauce est à l'intérieur. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette sauce. Merveilleux. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de mettre les sauces dans des petites cassolettes, les pieds de porc, et hop, au congélateur. Et vous avez une sauce fantastique, des pieds de porc, merveilleux quand vous avez des invités. Waouh! Super! Maintenant, regardez cette sauce. Merveilleux, fantastique. Look at this sauce. Waouh! Das ist wunderbar, die Soße. Jetzt über das auf die Schweinsfüßli. Mit der Soße. Wunderbar. Jetzt können wir das nachher schön. So muss sie. Genau. Au congélateur. Et puis, quand vous avez des invités, hop! On fait ça à feu doux et c'est merveilleux. Alors mes chers amis, pour vos invités, congélateur, vous sortez un petit feu, vous faites revenir ceci. C'est que du bonheur, c'est merveilleux. Vous êtes les chefs dans la cuisine. Waouh, fantastique. Wow, so good. Et voilà, je viens de faire un petit rösti. Je viens griller les deux côtés. Schön, beide Seite schön braten. Et puis, les pieds de porc, j'ai pris seulement une pièce. Regardez comme j'ai réduit la sauce. Regardez comme cette sauce, elle est fantastique. Wow, ça. Mais là. Ah, c'est schmusig. Maintenant, c'est le moment sacré. C'est la dégustation. Et puis maintenant, on va savourer ce petit plat. Jetzt ist der größte Moment. Das jetzt ganz versuchen. Und das muss es so gut sein. Alors, ein richtig Fleisch. Das schön, das so weich. C'est tellement tendre, mon Dieu. Wow, cette force de sauce. Avec les rösti bien grillés. On pourrait manger seulement les rösti avec la sauce. Non, mais elle est bonne. Réduite 80%, mais c'est fantastique. Alors là, un bon vieux plat d'antan, comme on faisait à l'époque, qui coûte pas cher, très bon marché, les pieds de porc. It's so cheap and so good. Wow. Mais c'est trop bon. Mais c'est que du bonheur. Alors, mes chers amis, bon appétit! Là, vous avez un plat qui tue. N'oubliez pas de... Et puis voilà, c'est tout simple, ça coûte rien. Merveilleux.